Et bonjour à toutes et à tous, c'est Toundra. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo test sur, Forza Motorsport 5. Développé, édité par Trenten et édité par Microsoft Game Studio. C'est un jeu de course de bagnole qui est sorti, un jeu de course simulation qui est sorti le 22 novembre 2013, qui fut le premier fer de lance de la Xbox One, et également aussi quelques jeux comme par exemple comment il s'appelle le jeu, il me semble qu'il s'appelle le Quatium, je ne sais quoi là. Bon, eh bien c'est pas très grave, hein. Bref. C'est un jeu de course bagnole qui est développé, édité par Trenten et édité par Microsoft Game Studio. C'est un jeu de bagnole où vous reportez des courses, vous reportez évidemment du l'oseille, voire même débloquer quelques épreuves et aussi collectionner quelques voitures, voilà, tout simplement. Et reporter tout en or, évidemment. Parce qu'il faut tout reporter en or, évidemment. Mais également, c'est un jeu qui m'a le plus marqué, mais également aussi parce que c'est un jeu, malheureusement, qui est l'un des opus qui propose moins de bagnoles, voire même moins de circuits. Il y a 14 circuits en tout et très peu de bagnoles, voire même 200 bagnoles. Il y a en tout 200 bagnoles, voire même quelques véhicules en extension. Voilà. Le mode carrière, le mode multijoueur. J'ai passé un petit peu de temps sur le multijoueur, mais après j'ai arrêté. Jeu libre pour évidemment. Excusez-moi. Je remets le micro en route. Voilà, excusez-moi, le micro était un petit peu à l'envers, pardon, excusez-moi, c'est pour ça que vous entendez un petit peu le vide. Oui, mode carrière, mode multi, voire même rivaux, jeu libre, rivaux pour évidemment jouer avec un fantôme du joueur, d'un autre joueur. Marché pour acheter quelques DLC d'extension, Forza TV pour regarder un peu notre mes replays, voire même les replays des joueurs, galerie Forza pour regarder notre galerie d'art photographique, voire même regarder un petit peu la photographie des joueurs, réglage amélioré et enfin réglage et amélioré, enfin c'est un mode pour vous permettre d'améliorer votre véhicule, voire même personnaliser votre véhicule avec évidemment quelques bagnoles tuniguées, voire même personnaliser votre véhicule, peindre votre véhicule ou mettre un livret de course ou un livret personnalisé pour votre voiture, profil Forza et centre de message qui est plus pour recevoir un peu plus de pognon et tout le reste. Alors vous voyez là à l'écran mes jetons et mes crédits. Bon là j'ai 0, mais par contre mes crédits, j'ai 4 044 751 crédits. Profil Forza, bon vous avez évidemment changé pour changer le badge, les badges d'infinité, voire même quelques succès ou statut de pilote, voilà. Encore quelques infinités iconiques. Carrière, multijoueur, communauté, voire même les pays, voilà. Et ensuite quelques titres. Pareil pour la sélection des badges et la sélection des titres, voilà. C'est pareil. Vous prenez un titre, vous mettez une badge, et voilà. Faites ce que vous voulez. Ensuite, infinité pour monter des levels aux marques. Par exemple, là, j'ai monté le level maxi 25 parce qu'il faut débloquer tout en niveau 25. Avant c'était niveau 10 voire même 25. Pareil dans Forza 4, on devait aller au niveau 25. Par contre dans le 3, t'arrivais au niveau 5, c'est tout. Pareil pour dans le 2, vous arrivez au niveau 5, c'est fini. Mais par contre vous reportez quelques bénéfices au niveau des équipements aussi. Mais par contre dans ce dans cet opus, vous ne pouvez pas avoir de bénéfices sur les améliorations. Vous pouvez avoir quelques crédits de gagner. Voilà. Alors, tout nouveau sur ce jeu, le Drivatar,
statistiques, voire même, ouais, voire même un petit peu de tout. Alors, manette, ouais, ça va. Ok, bon, bah, tout est bon, tout est réglé, ouais, tout est bon, ok. Bon, ça va. ATH, audio, bon, bref, un petit peu de tout, voilà. Et j'en passe. Centre messagerie, voilà. Ensuite, le carrière, il faut vraiment que je vous montre tout, vite fait. J'ai fini à 100% de mon carrière, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il faut reporter la course à 100% de 1 jusqu'à 10. Épreuve de 10 jusqu'à 11, jusqu'à 12. Voilà. Bref, au fil du temps, vous aurez 4, 3, enfin 3, 4, 5 ou plusieurs épreuves même. Et vous avez aussi également les épreuves bonus une fois terminé le. Voilà, vous aurez quelques épreuves bonus, mais bon, c'est un peu mal fichu leur truc, mais bon, pas très grave. Il y a très peu de circuits et pas beaucoup de bagnoles, mais bon, comme vous pouvez le constater, voilà. Les bagnoles, non, pas ça. Voiture. Bon, là, j'ai à peu près tout, presque pratiquement tout acheté, sauf quelques-uns que j'ai pas acheté encore. Mais bon, j'ai pas acheté à 100% les bagnoles. Bon, bref, les améliorations, c'est pour acheter quelques accessoires, enfin, quelques améliorations du véhicule. Voilà. Ensuite, appliquer quelques livrées sur notre bagnole, mais en multi et tout le reste. Bref, voilà. Peindre les véhicules, voire même peindre les vitres teintées, voire même les peindre aussi également les jantes et tout le reste, et j'en passe, voilà. Voilà, c'est un peu de tout. Et Forza Vista, c'est un tout nouveau mode qui a été envoyé, enfin qui a été, non pas envoyé, mais plus vu sur Forza 4. Et là, il est remis sur Forza 5, mais avec plus de bagnoles, voire même on peut regarder un petit peu nos. En fait, c'est un espèce de showroom pour bagnole, en fait. C'est un espèce mais de showroom où vous pouvez également regarder un petit peu, voire même cliquer ici pour en savoir plus sur l'historique de la marque, et également aussi pour activer les phares, voire même voir un peu les spécificités du véhicule. Voilà. Ouvrir les capots et tout le reste, bon bref voilà, mais alors que lui il peut pas ouvrir des capots en lui. Certains modèles peuvent ouvrir les capots et les coffres, les capots, mais ils peuvent ouvrir que les portières. Pas les capots, certains voitures n'ouvrent que les portières, mais pas les capots et les coffres, mais certaines voitures peuvent ouvrir les coffres et les capots. Voilà. Et ce sera tout. Voilà, donc c'est un espèce de showroom. Vous pouvez avoir quelques statistiques avec plusieurs. Enfin, vous pouvez avoir quelques spécificités du véhicule et tout le reste. Mais je vais plus vous parler du mode en lui-même. Alors, on va prendre un circuit pas très long. Alors, tout nouveau circuit. On a le Mont Panorama, le SPA Francorchamps, Yas Marina. On a aussi le Long Beach, qui est le tout nouveau circuit, test track, qui est plus une espèce de piste d'essai d'aérodrome. Ensuite, le circuit du Prague, qui est un circuit fiction de Forza, mais qui est un tout nouveau circuit. Voilà. Et ensuite, le Top Gear, le circuit du studio Top Gear. Voilà. Tout simplement. Alors, on va peut-être prendre un circuit qui me paraît moins évident. Allez, on va peut-être prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Combien de longueur? Ouais, pas une fois un circuit pas très long. Bon, allez, on va prendre le tout nouveau circuit. Hein. Allez, hop, je vous montre ça vite fait.
Bon, avec la Integra, c'est parti. Attends. Alors, par contre, on peut augmenter jusqu'à 15 Drive Attar. Alors, voilà. Comme je l'avais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Drive Attar, en fait, c'est une espèce de IA qui a été mis dans le jeu, dans Forza 5, à partir de Forza Motorsport 5. Et plus tard, Forza 6 et Forza 7 reprendront également le drive, tout le temps le Drive Attar, mais beaucoup plus travaillé. Voilà. Par contre, dans ce cinquième opus, les Drive Attar ne sont pas tellement encore bien travaillés encore, mais il fallait bien qu'ils s'y mettent. Hein. Voilà. On va mettre peut-être mettre 2 tours, ça aurait été bien, un peu 2 tours. Je regarde un petit peu au niveau de la capture, on est pas mal. Ça a pas coupé, c'est bien. Bon, allez. Le Abu Dhabi. Le bois Abi. Le bois Abi, pardon. Le Abu Dhabi. Et non, je plaisante. C'est le Abu Dhabi, voilà. En Émirats Arabes Unis. Le meilleur circuit au monde, quand même. Hein. C'est l'un de mes des circuits, le futur circuit de la F1 en 2014 et 2015. Et franchement, c'est l'un des meilleurs circuits au monde. Hein. Allez. Alors, voilà, donc il nous indique or 3, 3e, argent 7e, bronze 10e. En fait, on va plutôt mettre. Alors, quand vous voyez là, la difficulté du driver quand on le met, on peut le mettre soit en professionnel, soit abattable ou soit à peu près de nos niveaux, mais vous, par contre, vous n'aurez pas assez de bonus. Si vous mettez habile, vous aurez que 10 bonus. Par contre, si vous mettez en professionnel, vous aurez 50%. Ou si vous voulez vous faire humilier, il y a 65%. Vous remporterez une bataille à 65%. Une course à 65%, plutôt. Allez. Bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Alors, tout ça c'est bon, comme ça je vais vous montrer un peu comment on pilote une vraie voiture en plus je joue en manuel avec embrayage, donc ça va pas tellement vite par contre. Et hop là, comment on passe des vitesses? Ça dérape. Ah, je trouve que la gueule. Ah putain, je fais des conneries, c'est super. Ah merde, tête à queue. Bon, ah oui, aussi on a le rebobinage pour. Si vous faites une erreur de pilotage involontaire, vous pouvez revenir là où vous étiez, voilà. Si vous n'avez pas freiné ou plus tôt, voire même plus tard, ben voilà, ça arrive. On peut changer la vue du pilotage, voilà. On peut ch changer, pardon, non pas la vue du, ouais, la vue du pilotage. Là, je freine un peu. Oh, putain, là, j'ai un peu trop freiné là. Alors, on a aussi quelques mots là qui a été mis à l'écran là, comme par exemple là je viens de faire un virage correct. L'habitacle est 1000 fois plus fait. Par contre, le ray trading, par contre les reflets de miroir, les ref... Ah putain, je me fais entrer dedans, c'est bien. Ah, je me fais rentrer dedans en plus. Oh putain la vache, je me suis fait re-rentrer dedans en plus. Ouh putain. Ah putain, je me suis fait rentrer dedans en plus, ça c'est assez cool, c'est assez génial. On peut aller en stand aussi, mais bon après, à cause des décisions de mettre
Alors, comme vous voyez là, un tiré en bas, c'est le réservoir de essence, espèce de barre blanche qui est notre réservoir de essence. Ah, c'est le dernier tour, et là je fais n'importe quoi, même en commentant. Ah, putain! Là, je me fais doubler par une escorte Cosworth de rallye. Et là, je me fais doubler par cette Ferrari Testa Rosa 250. Ça, c'est génial. Allez, putain, en plus, on voit parfaitement l'heure sur le tableau de bord. Ce qui est vraiment incroyable. Alors là, il est 20h43. Et Paris aussi, il est 20h43. Ah, oh, putain, c'est sacro, le même machin, super. On peut même voir en vitrine, à droite, à gauche. On peut même bouger le stick analogique gauche et droite. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, là, je me freine assez mal. Je me fais rentrer dedans en plus. Ah putain, l'enfoiré, il me rentre dedans en plus. Ah, saleté. Et en puis, voilà, je fais encore la même connerie. Tête virage, tête à queue, voilà. C'est pas facile. Putain, enfoiré, c'est pas facile les transmissions. En propulsion, et voilà, là je viens de gagner une course. Un petit peu chaud patate l'IA quand même, hein, je pensais qu'il serait moins patate, mais en fait si, il est un peu patate, hein. Bon, mais voilà, la première course gagnée, voilà. Ah putain, deux têtes à queue, c'est assez fortiche, c'est assez spectaculaire. Là, je m'applaudis moi-même parce que là je fais de la merde en pleine course, voilà. Ah putain, vous voyez, moins 3%, donc là ils m'ont retiré 66 crédits de moins. Par contre, on a le niveau du pilote. Par contre, niveau de pilote, j'arrive à 543. 543, ça fait beaucoup. Et le niveau d'infinité commence à augmenter, augmenter, augmenter. Mais bon, après, on a la synchronisation de Drive Avatar. Bon, pas énorme, on peut même sauvegarder notre épreuve, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Je sauvegarderai certainement pas une épreuve, voilà, bref. Je regarde un petit peu. Bon, ça va, ça a l'air plutôt correct. Parce que ça, c'est pas encore coupé, ça va. Tant mieux. Bref. Ça, c'est un très bon. C'est un bon jeu. Le ray trading ainsi que les reflets de miroir sont mille fois bien foutus. Niveau du gameplay, on trouve. Niveau gameplay, le ray trading et les reflets de miroir sont mille fois bien foutus. Par contre, la jouabilité, excellent. Là, je vois vraiment que là, bon, je préfère plus jouer avec un volant qu'une manette de Xbox One. Mais bon, après, le volant est disponible beaucoup plus tard, mais séparément. Mais sinon, ça c'est bien, assez bien foutu quand même. Hein. Mais sinon, encore une fois, c'est un excellent jeu qui mérite d'être joué à plusieurs, voire même joué avec des proches. Et finalement, vous savez quoi les gars? Je préfère vous laisser sur cet écran. Pour moi, j'ai rien à dire. Alors, mon seul défaut, évidemment, c'est le seul défaut du jeu, évidemment, c'est il y a 14 circuits, il y a très peu de voitures, il y a même 200 voitures pour au total, il y a quelques 200 véhicules, mais il y a quelques véhicules en extension. Mais après, je crois que la map est mille fois bien rendue. Franchement, je trouve que franchement, Trentin, ils ont fait du bon travail sur le 5, malgré qu'il y a une note assez mitigée de la part de jeuxvideo.com. Bon, après, c'est vrai qu'il y a moins de bagnoles, il y a moins de circuits, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais je trouve que les sensations de conduite sont vraiment géniales, toujours aussi exigeant et assez nerveux. Mais franchement, c'est assez classe quand même. C'est vraiment assez classe. La gestion des lumières au niveau du gameplay, c'est vraiment palpable, mais vraiment excellent. Là, par contre, le son et le thème musical est mille fois bien rendu, je trouve. Bon, pour un jeu de bagnole. Et les gestions d'argent sont plutôt assez super. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est un très bon jeu. Très bon jeu. Mais par contre, mode carrière, il y a très peu de contenu au mode carrière, c'est bien dommage. L'IA est un petit peu barrée. Mais franchement, l'interface d'achat,
C'est pas énormissime. Par contre, le système d'économie, c'est pas le meilleur non plus. Et ensuite, bon, comme je l'avais dit, par contre, il y a absence totale de cycle de nuit et de pluie. C'est assez dommage. Je m'attendais à avoir un cycle, un système de météorologique que sur ce jeu de bagnole, mais il sera disponible qu'à partir de Forza 6 et aussi dans le Forza 7. Mais sinon, voilà, je vous laisse quand même le bénéfice du doute. Et franchement, personnellement, je trouve que le jeu attire plutôt pas mal. Même dans la jaquette, il indique une IA révolutionnaire, des graphismes à couper le souffle, tous les véhicules de vos rêves. Ouais. Comme tu as vu un petit peu au niveau de la note, c'est pas excellent. Bon, après, Metacritic qui indique la série mais de jeux de course le mieux noté de ces 10 dernières années. Ouais. Après, c'est Metacritic qui avait mis une note aussi, mais bon. Enfin, qui avait mis un mot sur la boîte, mais bon. Je ne suis pas très catégorique là-dessus. Il est loin d'être parfait, mais il est excellent. Voilà. Mon verdict, c'est un excellent jeu. Et franchement, le cinquième opus est un très bon jeu. Mais le sixième opus, on voit un petit peu plus de gueule quand même. Hein. On voit un petit peu mais la jaquette de Ford GT, de la nouvelle Ford GT. Mais ça, je vais vous en parler prochainement dans un autre vidéo test avec Forza 6 que je vais faire prochainement. Bref, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo en ligne. Et sur ce, je vous laisse sur ces images qui vont poursuivre un petit peu cette vidéo. Et on s'arrêtera là. Ciao, ciao!